Pipidi, 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 pipidi. Et je vous rappelle qu'il faut être présent au moment du tirage au sort. Hein. Ok, la notice elle est là. La, bo la boîte est calée, le packaging est sympa, hein. clairement... Euh... Ils, ont rien, ils ont rien à enlever, envier à LEGO. Hein. Alors, sachet numéro 4... Euh... Sachet numéro 1. 7, 5, euh, 6... Alors, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Et 8. Voilà, je les ai mis dans l'ordre. Super. Beaucoup de paquets, il bah, y a, y a 636 pièces. Hein. Alors encore une fois, c'est le reproche que je fais à chaque fois aux Lego chinois. On le voit tout de suite, hein. la notice, euh, elle est minuscule. Ah, il y a les autocollants là. <laughs> Attendez, il faut que je règle le mise au point de la caméra. Attendez. Bah, ils font des économies là-dessus hein, aussi. Hein. Configurer la vidéo. Hop, euh, concentration automatique, non. Voilà, c'est mieux. Le fantôme moldave. <laughs> les fantômes. Le fantôme carrément moldave. Hop, les trucs, on va les mettre là, on n'en a pas besoin tout de suite. Alors le sachet numéro 1, il n'y a pas de petite pièce dans le sachet numéro 1. Donc on va tout mettre là-dedans direct. Hein. Et en trois kits Lego montés venant de Chine, je n'ai jamais manqué de pièces. Alors il y a ça, pourquoi ils ont mis ça dans un sachet à part C'est le pare-brise de la voiture. hop moi bon, la caméra elle est pas très bien alignée avec le plan de travail c'est mieux combien de pièces euh, 636 alors j'ai pas les dimensions du produit fini mais euh... il a l'air quali hein. Donc, vous les sachets numérotés. Ils ont un service de remplacement de pièces. Après, bon, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais. Euh... Hop Eh bien, écoutez, je vais mettre ça là. Non. Hop C'est parti. Donc, il nous faut une plaque de 6 par 10. De 4, 6. 4, 6, 8, 10. Ça c'est pour après, il nous faut cette plaque là, un carré, gris. Attendez, je vais baisser un peu la... Est-ce que pour la forme on se mettrait pas au moins une musique de Ghostbusters Genre celle-là, évidemment. Le grand classique. Euh... le carré gris, le carré gris, je sais qu'il est devant moi mais je ne le vois pas. pa 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 bou Bah merde. Ça y est, il manque une pièce. <laughs>

Amixem a dit sur une vidéo que le prochain Lego de sa chaîne YouTube serait un monument historique et qu'il qu le monte dans ce dit monument. Moi j'avoue que je suis pas fan de ce qu'il fait Amexem, mais euh, les vidéos Lego je regarderai. J'avoue que j'ai bien regardé, ouais. Par contre, euh, je ne vois... Pas. Le, le Colisée hein, ça peut être le Colisée, ouais. Bon, la Tour Eiffel il l'a déjà fait. Attends, je vérifie le sachet numéro 2 quand même. Alors dans le sachet numéro 2, il y en a une de petites pièces comme ça, attendez. Ça me surprend qu'il y ait... Ah oui, non, si si je pense qu'il y a besoin du sachet numéro 2. Hein. Parce que je vois qu'il y a des petites pièces juste après. Attends, il n'y a pas une mention de... Ouais, si, 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 si. À aucun mention, à aucun moment ils disent de passer à un autre sachet. C'est un peu dégueulasse ça. Hein. Bon, là par contre, ça. Ouais, là on est sur. C'est le problème des plans chinois. Pourquoi tu comprends pas le chinois Mais oui, quelle idée, capitaine Hein voilà, là, Je sais qu'elle est là-dedans, la pièce grise, elle est là. Ah super, <laughs> ça commence bien. D'ailleurs, je vous l'avais dit, moi ce que j'aimerais beaucoup faire sur la chaîne, hein, c'est faire du montage de Lego avec euh, avec genre des modérateurs. Je les fais venir et on fait un montage d'un énorme Lego pendant genre 24 heures et on le fait gagner à la commu. Un Lego, mais genre un Lego qui vaut 850 balles, quoi. Un monument de Lego, un truc immense. Alors après il refaut du 6 par 10 Par contre pour l'envoi ça va être complexe hein, donc euh... on On picole en même temps bah à un moment donné oui pas, pas, pas pendant tout le truc c'est pas possible mais euh... et que je te vomis sur les pièces Lego euh... Je l'ai. Genre le destroyer de Star Wars, exactement. Genre le destroyer de Star Wars. Bonjour tout le monde Salut Archibald Comment vas-tu Hop, deux comme ça. Bon, dites-vous bientôt, je vais remettre un. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de sub goal sur la chaîne parce que, bah. Pas vous le cacher, vous avez été quand même extrêmement généreux en début de, en début de mois, donc euh, ça me paraissait déplacé de mettre des sub-goals là. Mais très bientôt, il va y avoir des nouveaux sub-goals qui vont arriver, avec des, des trucs assez cools. C'est deux d'un côté, trois de l'autre, donc c'est bien ça. Super. Et on en a déjà parlé, mais il y aura sans doute... Un ou deux lives spéciaux. Vois, vois, merci Dangster, mais il est fou <laughs> Je dis, il n'y a pas de goal, il offre plein de subs. Merci <laughs> Dangster, merci pour les 5 subs offerts à la communauté. <laughs> merci tellement. Des bisous, je passe en l'heure, mais il est fou. <laughs> et pas que... Et je précise, ça hein, ça sera pas que... Euh, des modérateurs, j'inviterai aussi des viewers que je connais, genre d'angsters que je connais personnellement, je suis sûr que ça lui fera plaisir de monter des LEGO avec moi. Il t'a coûté combien celui-ci euh... Alors je, je pense que c'était genre une quinzaine d'euros, peut-être 20 euros, c'est quand même un 680 pièces, peut-être 20 balles celui-là. Hein. Mais tu vois, quand, quand j'aurai déménagé, ce sera plus pratique. Parce que là, j'ai pas assez de place pour faire ça à deux personnes. C'est pas possible. J'allais dire euh, 10 balles, j'étais pas loin. Mais je, je sais plus, j'ai plus le prix devant les yeux. Euh... Il y en a que j'ai payé genre 1 euro. C'est n'importe quoi. Attendez, je vais. Euh... C'est un peu risqué ce que je vais faire, mais je vais renverser ça là je cherche des des petites pièces spéciales. voilà celle-là il en faut 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 Je je remettre tout dans la coupette. Puis alors moi j'ai vraiment envie de faire un setup du coup de chill canapé pour les lives. Donc on est vraiment face caméra dans un canapé euh, avec genre une table basse qui peut se régler en hauteur donc avec des vérins. Donc je pense que je rachèterai un nouveau système de électrique comme un bureau mais qui peut descendre plus bas pour pouvoir faire une espèce de table basse euh, sur Vérin exprès pour les Lego là avec tout un truc qui se pose dessus avec plein de compartiments pour ranger les pièces euh. ça ça serait un kiff hein, vraiment puis ça permettrait de faire plein d'autres trucs pas que des Lego 1 2 3 4 5 6 moi j'imagine que c'est 3 6 de chaque côté par exemple du des maquettes, euh, du modélisme en général quoi. Ok, et maintenant il faut huit, les huit pièces pareilles mais plus grandes. Donc une. En fait j'aurais pas dû remettre les pièces dedans, c'est pas grave. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7 et 8. Prendre l'apéro De quoi Genre une table avec, euh, avec de l'alcool intégré dedans Genre un truc vitré là. J'ai hâte de pouvoir aménager complètement mon bureau pour avoir un, un coin montage PC, un coin méca, méca Lego et un coin figurine. Ah, moi j'ai carrément une table d'architecte. Ça, ça me servira pour la peinture, parce que je peux la mettre à plat. La table d'architecte, elle est très haute, donc c'est vraiment, c'est vraiment cool. Mais il va me falloir une pièce d'une euh, taille quand même assez correcte, hein. 10 mètres carrés, ça sera pas possible, quoi. Ok, c'est bon. Changement de page. Alors là, il faut deux petites pièces grises de 1 là, Il faut une barre comme ça dans tous les cas, mais deux petits carrés gris. Ah, J'en vois un là. Hop. Voilà les bouddillou Hop. Et une grise comme ceci. Alors on met la grise là. On met celle-là ici. Et les petites se mettent de chaque côté de la grise. Là. Voilà. Ensuite il faut... Celle-ci est 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à me dire si la caméra est trop loin, pas assez loin. Normalement, c'est pas mal. Hein. On a le même setup d'habitude, donc logiquement, ça n'a pas dû bouger. C'est plus le plan que j'ai du mal à vous montrer. C'est plutôt logique. Nickel. Parfait. Ça sera clairement plus simple quand euh, quand j'aurai déménagé. Il y aura la caméra au-dessus de la table basse, une caméra en face pour filmer là où les personnes sont en train de monter, et une caméra portative pour filmer des gros plans en permanence. Il y aura juste à appuyer sur un bouton pour zoomer. Je passe en l'heure que je vais euh, faire mon diamant, mon diamant. Dans quoi Dans. Oula, c'est du Minecraft ça, non Attends, il en faut deux comme ça. 1, 2, 4... 1, 2, 2... Diamond painting Qu'est-ce J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'avais pas fini la série Better Call Saul, j'ai repris hier du début, je suis hype comme si je, je l'avais jamais vue. Elle est géniale la série, la fin est. Enfin, tout est bien. Je trouve que tout est bien du début à la fin. Ce qui est assez rare pour le souligner quand même. C'est bizarre, c'est asymétrique là. Bon. Je vais faire mon diamond painting, désolé si j'ai mal écrit. Mais j'ai toujours pas compris. <laughs> Diamant painting, j'ai je... pas compris. Je vois pas ce que c'est. Tu, tu l'as pas, pas mal écrit, rassure-toi. C'est juste que je ne sais pas ce que c'est. Alors, petite antenne. Pa -pa 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 Alors, on passe la petite antenne dans le bitunio. Alors, il faut mettre l'antenne ici. Ah par contre, attends, il faut, faut la mettre droite, voilà. ça. Euh, C'est dessin collant où tu mets des petites perles de couleur et ça fait l'image en relief. Ok. Ok. Mais hésite pas, si euh, Fox, ça à mettre dans, euh, sur Discord dans Ars, si tu fais du, des, des loisirs créatifs comme ça. Hein. Je pense que tout le monde est curieux de voir à quoi ça ressemble. La broderie de diamants, aussi appelée Diamond Painting, est un loisir créatif relativement nouveau qui permet de réaliser des jolies œuvres d'art à partir de strass appelées diamants qui sont coller sur une toile. Mais ouais, ouais je, je veux bien avoir des photos, hein. curieux moi hein. ça une barre de 4 en comme ça et une barre grise comme ça ah non non oh, t'inquiète personne va te juger t'inquiète y'a aucun souci euh, et attends mais moi je fais des Legos hein. <laughs> ça reste quand même enfantin les LEGO, on passe le cacher. j'adore faire des LEGO, personne va te juger ici alors là, il faut une plaque rouge plate que j'ai juste ici. Avec deux, une et deux. Voilà, le capitaine aussi a des gants enfantins, il dessine des bits. Voilà, exactement. Exactement. Alors une comme ça. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Et en plus je vous envoie des nid pics, c'est vrai. Mais pour ça, il faut gagner des lots de cadeaux. Chacun en est témoin. Euh, voilà. bah, sauf les derniers là, j'ai ouais, complètement oublié de dessiner une bite dans les derniers désolé les gens vont être très déçus celui qui juge le ban exactement alors comment oula c'est un sac alors on prend cette pièce là on prend l'angle c'est comme ça on met ça par-dessus Bien. Oula, c'est attends. Comme ça, comme ça. Garde son mon cul. E cœur pique pété. Quoi Allô. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ah c'est comme ça. Ok. Super. Interprète Là c'est la même pièce mais en symétrie inversée. MDR cuillère euh, ah bravo bravo la ficelle putain c'est un truc de fou hein. ça s'est entendu jusqu'ici quoi Ah, mais moi ça me, ça me fume la votre truc parce que je ne vois pas à quoi ça ressemble. J'en ai jamais entendu parler à Diamond Painting. Quoi du, Tu joues à Minecraft hein Ta -ta 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 -ta. Alors une barre de deux grises Il en faut deux en voilà une voilà la deuxième et une barre de quatre Oui J'arrive contre les activités Lego mais en grand fan du des zano au bout d'un moment Lego las Oh là, là Oh là là c'est pas mal Oh c'est pas mal J'adore rire d'image qui est chaud patate oui je suis revenu pour ce jeu de ce jeu de mots de merde t'inquiète personne euh... ouais c'est non c'est bien c'est bien un jeu de mots de qualité bien sûr Et oui Jour des taf, je décompresse. Ah ouais, c'est la photo taf, voilà c'est la photo taf. Faut demander une augmentation à ton patron, sinon tu le menaces de faire des jeux de mots de merde à longueur de journée. Et elle va avoir une taille, euh, Elle va avoir une taille quand même assez. Euh, ça fait la longueur de... Hmm, voilà. La longueur d'un truc. On sait pas de quoi mais... Ouais. Ah Au repos bien sûr. Hein. Alors euh, des espèces de tubes gris... Ouais, ils sont là. Ça c'est les pots d'échappement Pouille, pouille, pouille. Pouille, la Au repos et enroulé trois fois, voilà exactement. Voilà, ça c'est pour tenir la plaque d'immatriculation à tous les coups. C'est sûr.

Super. Alors les pneus. Bonjour tout le monde Salut monsieur Pépère Les pneus, les enjoliveurs. Comment vas-tu Comment qui va le Pépère euh... Après, il faut 4 pièces comme ça. 4 tiges. Ah ben bah non, les enjoliveurs sont là, d'ailleurs. 1, 2... 3, 4, je vais changer la musique, hein. la musique vient de se terminer. Et 4 pièces jaunes, 1, 2, 3, 4, Bernadette Chirac en PLS, bien sûr. Et bon, je vais très bien, écoute, euh, je vais très très bien. Alors, rien à voir avec... Euh... Merde. Oh merde, hein Voilà. Ah oui, oui. S'il te manque une tige, je peux te passer la mienne. Voilà, c'est dit. Sipita d'un love. Ah merde. <laughs> Sipita d'un love. <laughs> Merci pour les grosses bites. Je suis ravi de savoir que ta tige peut servir. Je suis en train d'assembler les pneus. Allez, allez. Ah, Eeeh. Eeeh. ah non, c'est bon. <laughs> J'essayais de forcer plus, mais en fait c'était bon. Bah je peux mettre l'OST de Ghostbusters, mais elle est pas... elle est pas folichonne, hein Ouais, -là, ça va aller cool. Voilà, un pneu de fée. Hop, on met le numéro de série à l'intérieur. Putain. I'm, I'm stuck in the washing machine. Washing machine, ouais. Machine à Ouais. Qui sait qu'on appelle. Le à Pitaine. <laughs> Will you gonna cool? Charles de Gaulle. Ah merde. Est-ce que tu viens à la rencontre abonnée, monsieur Pepper, là T'as encore un peu de temps là, pour répondre sur sur le Discord. qui cette Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Ah mais merde Waouh J'ai peur de l'avoir trop enfoncé titre. Il reste que quelques places Ouais, il reste quelques places les amis. Hein. Pareil hein, chacun euh, si tu veux venir, il va falloir, euh, il va falloir se décider euh, incessamment sous peu. Parce que nous, on est obligé de réserver quoi. Il y a combien de participants 5814 <laughs> Non, je plaisante. Je sais pas, je dirais entre 20 et 30. 22, voilà, 22. Après, l'avantage, c'est que le JT est grand, donc euh, on n'est pas obligé de se marcher dessus en permanence. Ah, quand même Ok. Voilà, il y a deux gîtes, on peut pas faire mieux. Ah non, est, il est parfait, c'est parfait. Ok. Voilà, on a les pneus. Oui, Ardémus Oh, Ardémus. Qui c'est qu'on appelle Quelqu'un d'autre. <laughs> ah merde Merci pour les bits. Comment ça va, Ardémus Je sais plus si on s'est dit bonjour aujourd'hui, je sais plus. Je sais plus. Ça roule, ça y est, ça roule. Comme le célèbre magicien. Faut que je vois, car Madame taffe le samedi, donc à voir si elle peut poser ou pas cette période. Mais voyez vite, hein voyez vite, parce que là on va devoir, euh, on va devoir bloquer. Euh, on a le doigt dans la, cha... le, le, le choix dans la. On a plus trop le choix là. T'as compris? Ah oui, alors, il faut pas que j'appuie sur les pneus. Le doigt où euh, dans, dans la date. On a le doigt dans la date. Ouais. Qui c'est qu'on appelle Rappeler d'une cabine qui fonctionne. <laughs> ah, merde. Merci pour les bits, Monsieur Pépère. Je suis désolé, je suis agoraphobe, je viendrai pas mais je vous adore quand même. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il y a pas de souci, personne est là pour un. Hein OK, c'est comme ça. Merde, hop, là. Ok. Ok. Alors là, il nous faut les trois pièces comme ça. Et ben là, il faut ouvrir un nouveau sachet. Hein. Ça, c'est une pièce en rab. On va la mettre là. Mais, ouais, ouais euh, force chacun à venir, psy. Euh... Si, là, s'il vient, je lui fais des choses. Allô, allez. Hein <laughs> t'inquiète il a dit que c'était plus oui que non ça veut dire oui ça ah ça c'est bien c'est bien ça fait plaisir ça fait plaisir voilà c'est compliqué d'insérer des trucs là j'ai compliqué, Merci, monsieur Pépère, incroyable. Merci pour le sub offert à la communauté, t'es un amour. Quel homme. Quel homme, ce monsieur Pépère. Monsieur Pépère, euh, qui est à. Euh, 85 et, et on se rapproche, hein, entre toi et monsieur Yugi's. Ça se rapproche sévèrement, monsieur Pépère. Plus que 15 subs pour qu'il ait sa commande personnalisée. Ah oui, alors faut pas que je confonde, c'est pas celui-là. Hop 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 hop, je vais faire tomber un truc. Attendez, je vais mettre ça là. Ça va arriver doucement, mais sûrement. Non, mais t'inquiète, y a rien qui presse. En plus, ça me fait faire du boulot en plus alors. Ça, ça me dérange pas si ça me, si c'est pas tout de suite. OK. Trois pièces plates grises claires. Attends, je suis bigleux ou comment ça se passe ah, Elles sont là. Non, même pas. Deux. Ah, je les vois, je les vois. Ok. Et après, ces deux pièces grises rondes. Attends, c'est dans Ghostbusters la musique là C'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'était pas folle, la BO. Hein. J'avais prévenu qu'elle n'était pas folle. <laughs> oh merde. Qui c'est qu'on appelle Jackie et Michel à merde, c'est pas ça. <laughs> Merci pour les bits, chacun. Oui, vous Jackie and Michel. Chacun n'a pas retiré l'autocollant bleu-blacard sur sa voiture laissée par sa mère. Tant qu'il ne le retire pas, c'est qu'il accepte de faire du covoiturage. Ah merde. Oui, mais ils m'ont jamais envoyé alors que je suis euh, ambassadeur. Hein J'aime les ferrer au rocher. Par contre, j'attends toujours mon porte-clé Google. Hein, euh, pareil, hein, sur Google, je suis censé être ambassadeur. Là, euh, rien compris. Alors, 4 comme ça. Super. Ça va, on enchaîne les pages. On les enchaîne vite. Alors, 4 comme ceci. 2, 3, 4. Deux barres noires de 4 et 8 petites pièces euh, rouges plates. Ah, Papy Geek est de retour. Oh, bah ben il déclenche à fusée. Le train. Bonsoir, capitaine. Le bateau. Mais qu'est-ce que c'est que ça On dirait une quête à quatre roues. I'm afraid in no ghost. <laughs> voilà, c'est ça. I'm afraid no ghost. Re, Papy Geek. Et oui, c'est la Hecto. Attends. Regarde les autocollants, tu vas rigoler. <laughs> Bonjour, ceci est un Lego chinois. <laughs> C'est les, les gros 1. Hein. C'est ça, les gros 1. Hein. C'est une version non officielle euh, de la Hecto One. Et merci pour les bits, Papy Geek. Et Papy Geek vient de lancer la fusée de live. Oh, le bateau, le... Oh, merde. Ah Messieurs, dames, vous avez une... Ah, putain, je vais pas m'y faire. Hein. Vous avez un bateau de live en cours. N'hésitez pas, c'est le moment de soutenir le travail du capitaine. C'est compliqué de, de dire bateau et pas fusée. Il hein. va que je refasse mon alerte, là. qu'on c'est ce qu voilà, là qu'on voit la différence avec la marque officielle hein. tout à fait mais c'est pas grave parce que de loin ça marche tout aussi bien puis bon vu la différence de prix euh, je vais pas faire la fine bouche hein. encore une fois le le faucon Millénium à 100... 125 euros au lieu de 850 euh... je vais clairement pas me plaindre hein. Est-ce que ça tient toujours, Papy Geek, d'ailleurs, pour euh, faire un montage de Lego chez toi euh... C'est le film SOS Spectre. Non, par contre, vraiment, la musique de Ghostbusters, elle est naze. La BO, elle est naze. Je vais mettre la BO de Stranger Things, hein, ça reste dans la, la veine des années. Euh... C'est un hommage. J'en ai tellement à faire parce que tu vois, on peut se faire le vlog dans la cave et, euh, et se faire le, le comment, entre guillemets, un, un live slash vlog euh, Lego. Euh. J'avoue, la, la BO est pas terrible. Bah à part deux, trois chansons. Euh, bah c'est la BO de 84, hein C'est la BO de, du film là, hein, du premier. Hein. C'est juste qu'il y a des, des morceaux qu'on entend 10 secondes et euh, qui sont horribles en fait. Euh. Le rap de Gérard Junio. Ok en enfer. Par contre j'adore Stranger Things, hein. sauf la saison 3, qui lui l'a chier. Alors ça. Est-ce que vous avez aimé Stranger Things dans le chat hein Ah oui, pardon, oui, oui, toi tu parles de la BO composée, oui oui, oui. Bah, après c'est moins fun à écouter, je trouve, comme ça là. Et une espèce de pièce chelou là. T'as pas tout vu de Stranger Things mais vas-y hein Oh, moi j'ai kiffé hein, vraiment. La dernière saison elle est vachement bien. J'ai regardé que 4 épisodes et je me suis fait chier. Ah oui, t'es pas allé bien loin hein, ouais. Merci pour les 10 bits euh, VXX, merci beaucoup. Il reste encore une minute 45, les amis, pour faire passer la fusée de l'hype au niveau supérieur. N'hésitez pas. Ah, d'ailleurs Pepper, je devrais pas tarder à recevoir les bougies, non Je sais pas si ça tient dans mon boîte aux lettres. Pas fan, euh, c'est Little Fox. Autant la saison 3, c'est la moins bonne, mais le jeu néo-rétro, il est fun. Ah ça, j'ai pas testé. Le bateau Le bateau Le bateau de l'ail Pardon, le bateau Oh là là T'inquiète, pas de soucis, c'est Little Fox. C'est ban. Un pirate, Merci Papy Geek. Tu es un pirate. Merci pour le somme offert à Hector One. Eh oui, bien sûr. Encore une minute pour passer au niveau 2. De... Faut que j'arrête d'appuyer sur, les... sur le truc tant que les pneus sont pas sécurisés. Il y a une seule fusée dans le monde. <laughs> Exactement. William Shakespeare n'a jamais existé. Ses pièces ont été écrites en 1889 Je vais te sucer ta quête. Merci Monstro, c'est adorable. Merci pour le sommofer à la commu. Et du coup, le bateau de l'AE peut passer au niveau 2, les amis. J'ai pas compris le message. Est-ce qu'il y a une horreur dedans On essaie de me faire ban. Ça ressemble à ça, hein Kamizu, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre, Kamizu Pas du tout. Parce que généralement, quand quelqu'un arrive sans dire bonjour et balance un message incompréhensible, généralement, c'est pour faire bannir le streamer. À base de bambou, vous savez, la célèbre plante qui pousse en Asie, là <laughs> Ah, c'est un troll C'est un troll Ah oui, non, c'est ça Ah, t'as dit bonjour, hein, pardon Ah oui, il a dit salut, virgule, pardon Oh là, pardon Pardon <laughs> On n'a plus l'habitude d'avoir des gens. des gens. Voilà. Il est formellement interdit de troller, voilà. Et, et donc pourquoi, voilà, pourquoi À part hein. Vas-y, divertis-nous, amuse-nous. Pourquoi cette information sur Shakespeare hein Qu'est-ce que. Fais-nous rêver. Je connais Kevin Bacon, mais pas Francis Bacon. <laughs> Euh... Bacon le grâce à la vie. Alors attendez. Du coup est-ce qu'on peut dire que Judas est un franc-maçon Je crois que on est face à un, un spécimen qu'on n'avait pas encore rencontré sur Twitch là. Est-ce que tu te drogues Est-ce que tu consommes de la drogue, euh... Divoire C'est pour savoir hein, c'est. Pour nous aider à comprendre. Ça copie-colle des infos pétées de chat GPT, là. Ouais, 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 non, mais... Euh... J'ai arrêté. Ah, mais reprends. Reprends vite. <laughs> Je crois que ça se... Ouais, t'en as consommé beaucoup, non Master of Puppet C'est une IA. Au secours <laughs> C'était très intéressant. J'avoue que Metallica qui a eu quand même une, un regain de vente d'albums grâce à Stranger Things saison 4 euh, incroyable quand même. J'ai joué. Attendez, j'arrive pas à. Il y a un truc que je fais mal là. Ouais, je... le troll, euh, il nous amuse plus là. Je pense qu'il a compris qu'on. que ça marchait pas avec nous là. Hein. Oui, Metallica et Kate Bush, c'est vrai. Mais Metallica, pour une chanson, euh, ça a été énorme. Ah, c'est bon. Ça y est, j'ai réussi à fixer. On va le troll si fort, le pauvre bébou. Mais bah alors, il est où le nouveau Comment il s'appelle J'ai déjà oublié son nom. Un il... Oh non, mais en plus, il est nul, quoi. Mais Kamizu, Camizou, fais-nous rêver, là. On voit du lourd, plutôt que de dire des conneries dans le chat, là. On en a vu des plus forts que toi, des trolls, hein. Allez, là Master <laughs> Master Mais, mais c'est nul ce que tu nous dis, mais tu... Oh là là, mais on dirait une intelligence artificielle Moldave nulle. Oh là là. Par pitié, quoi, fais-nous rêver un minimum, nous, quand on voit des trolls, on veut en avoir des vrais, quoi. C'est pas possible. C'est prout de GPT, ouais. Il est impossible de se lécher le coude. Ah bah si, justement, si, si, c'est possible, avec la carte Kiwi. La rançon de la gloire. Le char rançon de la gloire, ouais. Il devrait faire une catégorie Lego hein, sur, euh, sur Twitch. Master. Allez, deux plaques grises foncées. Ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu, on le voit plus. On le voit plus. Il est... Ah, il est là. Mais euh, qu'est-ce qui se passe, en fait t es, t es... Écoute, tu peux nous parler Tu peux nous dire... Qu'est-ce qui se passe Ta vie est nulle Est-ce que... Ta vie est triste et morte. Dis-nous, explique-nous, on va t'écouter. Bonjour tout le monde Salut Alison Nous sommes là pour écouter et respecter tes problèmes. Parle-nous, dis-nous tout Si tu rêves à nouveau de nous, je veux que ce soit sur fond de Master of Puppet, ou là ça va être violent. Ça risque d'être violent, euh, du coup, avec ce genre de musique. Euh... <laughs> Ça va être brutal, intense. J'aime la violence. Ah merde. Vous m'avez demandé d'autres infos. Non, t'as pas demandé d'autres infos, t'as demandé de nous divertir. Mais là, tu dis de la merde. Tu nous déçois, tu nous déçois beaucoup. Hein. Et du coup, pourquoi Pourquoi Explique-nous pourquoi arriver dans un chat et balancer un truc dont tout le monde s'en contrebranle Dis-nous qu'est-ce qui, qu qui, qu qui ne va pas dans ton chat Bonjour ta vie tout le monde Exactement. Salut Blazar. À quel moment tu t'es dit tiens je vais aller sur une chaîne random que je ne connais pas, écrire dans le chat de la merde, juste pour voir la réaction du streamer Non, c'est pas le capitaine Haddock. Non, 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 c'est pas lui. Non, non, c'est pas lui. Non, c'est pas vrai. Je crois que ce marsin essaie de communiquer, ouais. Non, personne t'a demandé plus d'infos, non, non. Et en plus, il a des problèmes d'ouïe, quoi. C'est un truc de fou. Et en plus, il est sourd. Il n'y a pas besoin de la deuxième. Oh, ce solo des enfers. On veut les infos de BFM. <laughs> Allez, vas-y. Fais-nous une Pascal Pro. Attends, faut les mettre comme ça. Oui. Déjà dit, ça te fait pas rien. Qu'est-ce qu a Mais je comprends rien à ce qu'il raconte là. Moi, j'aimerais moi, que tu me répondes. Écoute, réponds-nous sinon c'est ban direct. Pourquoi tu viens sur une chaîne où tu ne connais pas la personne et tu balances des trucs dont tout le monde s'en contrebranle Camizou, réponds-nous sinon c'est ban. Tu nous réponds sinon c'est ban Def. Pourquoi faire ça Quel est l'intérêt même le même notre bot, il est plus drôle. Regarde, regarde, attention. Dis-moi une blague, Rakam. Regarde. Que fait un, un gothique pour allumer la lumière Il éteint l'obscurité. Voilà. J'adore rire. C'est. Tu trouves ça rigolo? Ah ouais, non, là, c'est chaud. T'es fan d'Adrumanov, toi, non? Est-ce que tu serais pas fan d'Adrumanov? Ça y ressemble, en tout cas. Plutôt, oui. <laughs> Le bot fait des meilleures blagues juste avant, c'est vrai ah merde, j'ai pas fait gaffe <laughs> Qui aura l'honneur Qui... Mais oh non J'ai cassé le pare-brise Non Je casse tout Voilà, c'est la faute à l'autre gland là Il me perturbe avec sa connerie Allez, au lieu de ça, installe-toi et parle avec nous, là. Bon, Vas-y, on te laisse une chance. Voilà, on te laisse une chance. Exactement, regarde, on est magnanime, on est sympathique, on est agréable, on est accueillant. The broken into... Merde, j'ai ri du bot. Ouais, le Lego camping-car Breaking Bad, il est tentant, mais il coûte cher, pour le coup, celui-là. Hein. T'inquiète que je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu aussi, j'étais en mode... Ah oui. <laughs> si t'arrives à être sympa, je t'offre un sub, a dit Cradle. Vas-y. Pour un Campalmat Dark Vador. Quoi Eh vas-y, tu peux avoir un sub gratos, hein. Comme ça, tu vas pouvoir débloquer les plus belles emotes de Twitch. Euh, moi, je serais toi, je me concentrerai. Hein. Mais ouais, il est un peu cher, moi, je trouve, le, le Lego Breaking Bad, même si le concept est quand même très fun. Euh. Hop. Non, c'est bon. Il a pas l'air de lire mes réponses à ses questions MDR. Ah, si, 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 si. Ah, mais si, mais moi, je te lis, hein. je te lis. Hein. C'est quoi ces accusés C'est ban. 40 euros, ça fait cher. Hein. Je parle de petits poivre. Alors, sache que c'est pas il, c'est elle déjà. Et si, si, t'inquiète, tout le monde te lit. Tout le monde te lit. Si t'es sympa, quelqu'un t'offre un sub. Et ça, ça n'a ça pas de prix. Respectez moi en tant que petit, petit poivre c'est déjà dur, voilà c'est ça. Ouais mais tu piques les yeux pepper là aussi euh... <laughs> Tu piques les yeux Pepper Ok donc là on est... Ah c'est une plaque plus longue celle-là pique lui les yeux là Voilà comme ça point gris. Je peux pas en manger, mais merci. Quoi, tu veux manger Pepper Non, mais. Euh... Ah putain, c'est vrai qu'il y a une reprise de California Dreaming des Beach Boys. And the sky is green. Mais oui, c'est moi, mais je sais que c'est moi. Et tu, tu remarqueras que j'arrive à écrire dans le chat euh, par la télépathie. Hein en même temps que j'anime le truc, hein. les garçons plagistes. When you're dreaming, stop it to church i passed along the way when i got down on my knee and i pretend to pray You know the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. It's such a Wednesday. Well non mais c'est pas possible, Rémi. Hein. Il y en a qui ont fait des Lego pendant 10 ans, et il leur manque jamais de pièces. Toi, il te manque des pièces à chaque kit. C'est pas possible, il y a un problème. Il y a un souci. Quand tout sachet, tu ouvres tes sachets, tu fais des mouvements incompréhensibles et tu les fais tomber par terre, tes pièces là. Tu nous mords en allemand Tu accuses l'ego Faut pas les manger hein Voilà oh, Le moucheron, ça dégage T'as la voix de Julien Doré un peu Ah merde <laughs> Arrêtez ou je l'imite Vous savez que je l'imite très bien Julien Doré hein l'acheter chez Leclerc. Non mais de toute façon, peu importe où tu l'as acheté, si c'est un vrai Lego... Euh... Bon, on l'entend plus, hein, le, le troll. Hein. Il est parti. Hein. Il a compris qu'il n'arriverait pas à nous avoir. Je suis déçu. Hein. Moi, je voulais que Cradle lui offre un sub, évidemment pour que je gagne de l'argent, mais non, même pas. Donc en plus d'être un troll, il me rend pauvre. <laughs> Infamie si, Mais j'ai lu ses messages, mais là, il répond plus tu peux imiter Sarkozy. <laughs> comment ça, si Mais comment ça, si Mais je te parle, JPP. Mais oui, je vois que tu me parles. Mais faut que tu sois gentil dans le chat. C'est pour que Cradle te fera C'est ça qu'on t'a dit. Il a dit, c'est drôle, blablabla. Moi, ça me fait rire. Mais je, je l'ai lu, ça Je... Oh, bordel. <laughs> oh, putain. Je vais le banner. Hein. Je vais le banner, hein, je vous le dis. Je suis vraiment pas méchant. Je suis pas vraiment méchant. Attendez, je suis pas vraiment méchant. C'est pas pareil que je suis vraiment pas méchant. <laughs> Et en plus, follow. Attendez, je mets en follow only, voilà. Prouve-nous ton amour. Merci. Bon bah ben voilà, j'enlève le follow only. <laughs> Très bien. Ça a pas duré longtemps. <laughs> c'est une bonne technique ça pour que les gens follow non <laughs> Si tu veux plus qu'ils écrivent dans le chat. Attendez, mais ils sont où les autres points blancs la c'est Rémi qui les a mangés encore. Hein. 5 hein au ouais, merci Toshiro exactement. Run 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 away. Ah mais non, c'est les transports. bah ben voilà, c'est les transports. J'ai envie de canner. Attendez. Regarde, Krado, il a été gentil, il a follow la chaîne. Il a dit qu'il n'était pas méchant. Moi, je pense que ça mérite un sub. Hein. Non <laughs> C'est pas la truite la plus oxygénée. Hein. Oui, bon, bah ça, après voilà, mais... Allez, hein. te plaît, vivre en pirate, ça <laughs> Tu es un pirate. Merci, <laughs> merci Ardémus. Merci pour le sub offert à notre nouvel ami. Ah, mais non, c'est pas, pas le même. <laughs> ah merde, il y, y, y en a eu deux. Merci Cradle pour le sub, pour le coup offert au vrai. Et mais merci Ardémus, pour... Euh, au au, au, au kamizu. C'est son cousin issu de Germain, j'imagine. Prochaine étape, le ban, si jamais. Voilà. <laughs> ça. Attention, faut dire merci. Hein. Moi, pour ce genre d'expression, j'ai. Euh... T'es pas le shadow qui pompe le plus vite. Oh putain, il faut avoir la ref. Hein. Ce soir-là. J'ai la ref. Hein. Voilà. Il y a Gabuzomeux qui traîne dans le chat euh, régulièrement et voilà, il faut avoir la ref. Il a pas dit merci pour le sub hein. Il a pas dit merci. Il a pas dit merci Il a niqué sa mère Je voulais offrir des subs qu'à des pseudos proches pour la blague, mais c'est raté. Ah merde C'est ban, voilà c'est ban. On le ça. On voilà. vraiment une excuse. Merci Jacky au moins. Voilà. C'est pas. Ah putain, encore une antenne à assembler. Je la vois, je la vois, je peux presque la toucher, Monsieur Frodon. Monsieur Fronon, j'ai votre antenne dans les doigts. Ah les gibis, les Shadow, exactement. Oh, c'est vrai. Tu veux pas me sucer Allez. Allez Petite pipe là. Bah ben ça y est, on, va aller. on lui a offert un sub, il dit pas merci, on l'entend plus, on va devoir le banner. Oh là là, mais c'est quoi ces gens impolis là donc je note, hein, pas drôle, impoli. Super En parlant de Jackie, j'ai une soirée acting ce soir et mon perso c'est Jackie la pirate. J'espère que je vais trouver mon Michel. Quel enfer. Mais quand j'envoie des messages, tu lis pas. Mais putain de merde, mais bien sûr que je les lis Ah, 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 ah. ah Personne n'a craqué Personne n'a craqué Connard impoli du boulard. ben non j'ai dit un truc suite au sub en Oh des les ennemis. est-ce que les ennemis qui valent ben et puis après je me souviens des italiens de naguère et je dis le peuple qui a conquis la terre les ennemis, on a un jouet pour toi les ennemis, on va s'amuser il y a un joujou dans le chat En parlant de Shadok, petite anecdote perso, en passant devant une boutique l'été dernier, je vois qu'ils ont euh, du merch de Shadok. En repassant devant le magasin pendant l'entre-deux-fêtes, je demande s'ils ont des articles restants. Euh, ce, que ce qui fait que j'ai offert euh, un beau torchon avec les devis Shadok à mon meilleur pote. Mais, mais les Shadok, c'est la vie. Hein. Clairement, les Shadok. Euh... Squeezie dans le chat Oui. Non, quelqu'un avec un peu plus de cheveux euh, et qui assume euh, sa calvitie. Oh non, 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 on a un jeune troll dans le chat, regarde, il est là. Tu aimes Godzilla Plutôt oui, oh non. Putain, alors ça, c'est un autre motif de ban. Hein. Putain, le tu aimes Godzilla. Je pense que dans le nouveau générique, il faut que je casse des rêves. Euh... Des rêves comme ça. Hein. Clairement. Hein. Attendez, je... il me manque une barre. Et le mec me dit, mais tu vois pas mes messages Tu vois pas mes messages Mais il y a 119 personnes qui écrivent dans le chat C'est pas possible, hein Moi j'aime bien quand les Kaiju. Moi j'aime bien euh, les Kaiju, personne ne euh, veut jamais en parler. Quel enfer. Oui, les ennemis, apparemment, euh, Rémi a mangé les pièces de son Lego et il les retrouve plus. Ça fait quand même deux Lego officiels qu'il a où il manque des pièces. Quand même très bizarre. Hop, deux pièces comme ça. T'as regardé dans ton cul <laughs> Mais quelle idée de se mettre des Lego dans le cul aussi. Pardon, mais... Euh Ça va où sinon À part dans le cul À ah merde À <laughs> ah merde Allez, ça, ça va là Ok, super Bon, ça commence à, ça commence à prendre forme petit à petit. Hein. Elle va avoir une, une taille respectable, hein, euh, en vrai. Je m'attendais à beaucoup plus petit. Allez, il me faut une pièce comme ça qu'il qu te plaît vivre en pirate, c'est ça, tu es Merci, Blazard. Merci pour le sauveau, faire un squeezie. <laughs> Putain de merde. Est-ce qu'on peut battre Zanmi Non, mais lui il peut te, te ban. Pirate, Merci, Kazoul. tu es un pirate. Incroyable, Kazoul. Merci de ton soutien. Merci pour ton 18ème mois d'abonnement. Incroyable. 18 mois d'abonnement. Ça fait beaucoup ça. 18 ans. Ça nous rajeunit pas. J'avais des cheveux hein, à l'époque. Hein. Ouais. Atchika tchikita a chica. Atchika chikita a chikuka. Je pense qu'il y a toutes les pièces, hein. Mais du coup, c'est bien toutes ces conneries, ça me donne des idées pour le, pour le générique. Hein. Le coup du Godzilla, c'est vrai que j'avais pas pensé. Le tu aimes, Godzilla C'est le capot, ça, non Zenmui J'ai pas la ref de Godzilla? Ah bah non, mais bah, hein, tu risques pas de la voir, tu viens d'arriver! Oh, du coup, on voit le capot, incroyable! Pièce articulée. Tu peux mettre le port Ah, je peux faire ça, écoute, Striker, je peux, j'ai la ref, mais je peux le faire. Hop, c'est la prochaine. Hein. Allez, allez! Ole A chica chikita a chica a chika chikita a chica a chika chikita C'est quoi cette musique? Atchika A Chikita Holly C'est pour toi, l'homme qui avait l'ours. Voilà, petite pensée pour toi. <rire> <rire> oh putain. Petit Québécois parti trop tôt. Banni d'environ 25 chaînes Twitch instantanément. Ah, ouais. ah, tu vis aussi dans le Sud-Ouest Qu'est-ce qui te fait dire ça Est-ce que j'ai dit quelque chose qui faisait penser que je vivais dans le Sud-Ouest Ah merde. Ça y est, je suis détecté. Je suis démasqué. T'as bio, oui oui, j'habite à Pau. J'habite à peau. Attendez, est-ce que quelqu'un me parle en rébu, là, alors <laughs> Ah merde, j'ai détaché ça. Domster verrou. Verrou, si c'est pas... à peau. Comment ça, verrou Verrou spécifiquement à peau? À côté du KFC. <laughs> Ah, j'avais pas entendu le pot. Et eh ben, un pot. La pot. Oula, oula. Ok. Alors, ensuite, il faut 8. Enfin, huit, huit, comme dirait, pardon.

Et donc sinon euh, monsieur euh, euh, Monsieur Camizou dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert la chaîne Comment vous vous êtes dit tiens lui je vais aller mettre des conneries dans son chat Qu'est-ce qui vous a tiré C'est le, le côté chauve Aléatoirement. D'accord. Pas très exotique ça. 1, 2 et 3. C'est une passion de partager des infos random à des gens random. Ah oui, c'est... D'accord. Mm -hmm. Oui, oui, elle roule. Bon, après, elle roule... Euh... C'est pas une voiture de... Hein c'est pas un truc télécommandable. Hein c'est pas la grande motricité non plus hein, voilà, nous on est pas random, on est exceptionnel. Squeezie n'a qu'à bien se tenir. Pardon des inconnus alors. Oula, c'est ban. là. Des gens que je ne connais pas, ah voilà, ça y, ça y est, c'est mieux. C'est mieux. Ah mais ça c'est les dossiers ça. Il n'y en a pas trois. Il est censé y en avoir trois. Ah voilà. Je veux pas être offensant, promis. Oui c'est bien, c'est bien. Ouais, est... On est parti du mauvais pied, mais... Euh... <laughs> Je veux te dire que je pense que tu es passé à 1 mm du ban. Hein. Je connais un peu l'équipe de malération. je sens que ça a failli partir d'un coup. Hein. Je me suis souvent fait ban pour ça, faut dire. Et tu t'es pas remis en question, tu t'es pas dit, tiens, il faudrait que j'arrête d'arriver sur des chats inconnus, dire des conneries. Euh... Alors, on est en train de faire une thérapie. Hein. <laughs> C'est une thérapie, messieurs-dames, dans le chat. Hein. C'est une passion Tu fais quoi dans la vie Je me fais ban. Hein. Voilà. <laughs> Génial. Non, ça me fait rire, j'ai pas une grande importance envers Twitch. Ah bah génial Et tu te rends compte que c'est des gens qui vivent de ça hein les streamers Pour la plupart, c'est pas juste Pourquoi je me justifie moi Oh là là. Oh le canari Il est jaune et il attend. C'est le canari. J'ai vu un hein, sur la chaîne où je suis modo, je l'aurais déjà ban. Attends quoi Attendez, j'ai loupé un message. Oh la Oh là là, tous les modérateurs sont là Attention, tous les modos sont là. Euh... Ah, attendez, je, je remonte. Donc, sur la chaîne où je suis modo, dit Predator, je l'aurais déjà ban. Bienvenue à la réunion des bans anonymes. Je te justifie pas. Euh... J'essaie déjà de pas trop. de pas troll trop méchamment. Ah, donc, donc il reconnaît que c'est du troll. Ah oui. <laughs> Et du coup, Rogue la modération is on fire. Toute la modération est présente dans le chat. Moi, je serrais les fesses si j'étais vous. Allez, on le met dans ce sens-là. Bah oui, alors c'est sûr qu'on préfère ça que quelqu'un qui arrive et qui insulte ou qui essaie de me faire dire des horreurs. Parce que ça, il y en a plein des mecs comme ça. Hein. On va pas se le cacher. Là. Ah non, faut. C'est celle de l'autre côté. Celle-là. Lequel va dégainer le plus vite Le, le capitaine, le prix du Millennium euh, Condor, euh, je l'ai payé 125 euros au lieu de 850. Après, il a augmenté depuis. Hein. Je crois que là, en ce moment, il est à 165. Si je dis pas de conneries. Même 165, ça vaut le coup. De hein. toute façon, j'aurais tendance à dire qu'en dessous de 400 balles, ça vaut le coup. Hein. Clairement, vu le prix. Euh... Pas de soucis, WAM. Ouais, le n'est pas avant que je revienne, hein, s'il vous plaît. Hein. <laughs> Sur Temu, sur Temu, monsieur Pépère. Spoiler, c'est Guambo qui dégaine le plus vite. Ouais, c'est de la censure. Et je vous emmerde <laughs> si vous n'êtes pas content. Ah merde. On parle de quoi de... On parle de ban ou. Euh... Ça va, il est trop occupé à spam son emote. Voilà, exactement. <laughs> il n'y a plus aucun respect. Hein. Il n'y a plus aucun respect pour l'équipe de modération. Hein. <laughs> Incroyable. 849 euros, ça pique de ouf, malade. Bah, C'est pour ça, moi, j'ai très hâte de le recevoir, le, celui que j'ai acheté là. Donc, lui, je vous ferai sans doute une journée dédiée à Star Wars et encore. Il va falloir que je fasse un setup spécial. Je sais pas trop comment je vais faire. Il était La bon. Vie, en tout cas, ce montage se passe nickel. Hein. Je sais pas si c'est que je suis devenu un expert en Lego ou quoi, mais. Ça va une vitesse! Elle dit, moi je respecte que Pepper. Salut donc... tous les connards qui sont nombreux. Voilà, ça veut dire qu'elle me respecte vu ce que je suis, Pepper. Voilà, je vous l'avais avoué l'autre jour. Pepper, c'est moi. Euh, moi, c'est Pepper. Euh, voilà. Il fait combien de pièces celui-là euh, 635 Et des brouettes Ah, il faut changer de sachet. Et donc, ça, c'est les pièces de rab. Heureux Wam, je suis désolé Wam, il a été ban. Je suis je suis choc de désolé. Salut Mathilde. Il a été ouais, il a été ban euh, ouais. on m'avait promis. Ouais, ouais. Il a été ban il euh... y a quoi, il y a il y a 38 secondes, je crois. Mais il ne le sait pas encore lui-même. Tu mens. <laughs> oui, je mens, c'est vrai. Ah merde, il faut deux pièces comme ça. C'est vrai, je mens, c'est vrai. La justification en seconde était trop. Ah merde, hein, putain, il, il m'aurait presque cru, hein. Alors, où est-ce que vont ces pièces-là Celle-là. Je crois que c'est là. Hein. Et les deux petits. les deux petits carrés en plus, ça va où là Ah mais c'est là. Mais il parle plus dans le chat en tout cas, donc euh, ça tient, ça tient debout hein, ce que j'ai dit. Hein. Ça se trouve j'ai pas fait gaffe et euh, Guambou, Striker ou Pepper ou Zenmy l'omban hein. Euh... En tout cas, il nous refait notre soirée, hein, c'est bien. Hein. Et en plus c'est gratuit. Vous voyez Divertissement gratuit. Alors il nous faut un angle rouge, une pièce plate sans les petits boutons. Hein, tu vois, il parle plus dans le chat. C'est celle-là. Non, c'est trop gros. Il a plus le manio Pas gratuit pour créer de l'eau. Oui, c'est vrai. Ah mais oui Face de douches Basse de cheaper, il est là-dedans. Bonne apple le ficel. Merde, je, oh là, que j'ai fait. Il est tout pété, ça y est. Did, did down, merde Oh putain de merde C'est la photo K à Camizou Il est où le gentil troll là Ah mais il est là <laughs> Ah merde Ok, c'est bon. Oula, oh alors là par contre c'est chiant, c'est que des petites pièces. Deux comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Une deuxième. L'espèce de gyrophare rouge. Et une petite pente rouge. Ah, je l'ai vu. Oula, attends, je comprends rien à celui-là. Attendez, là, il y a un truc que je ne comprends pas au niveau de l'assemblage. Ah, c'est genre ça. Ok c'est bon j'ai compris. Oula. Qu'est-ce que cette diablerie oh, Regardez ça y est on commence à avoir des, des feux signalétiques. Ok. Il faut compter trente-deux ans pour compter. Attendez, je baisse la musique. Faudrait approximativement 32 ans pour compter jusqu'à un milliard à haute voix sans faire de pause. Et si c'était notre travail en bossant 12 heures à compter de... cela, nous prendrait Et évidemment le double, c'est-à-dire 64 ans. Quoi Mais, que... Mais pourquoi À part Feur. Hein. Mais pourquoi faire hein Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. J'essaie de rentrer dans le délire alors j'ai tapé anecdote à la con dans Google. <laughs> Est-ce que c'est ça que tu tapes, euh, Kabizou, quand tu, tu vas sur un chat En préalable, en amont Alors dans le ciel des anneaux, ah merde BD Pépouis Peprime Ok on a tout Non, je regarde les phrases de la sphère info de Portal 2. Il y a vraiment ce genre de code Oh non, mais what the fuck. Putain de merde. Attends, il y a un truc que... Ah, mais il en fallait deux, des comme ça, ok. Faut vraiment que j'essaie de vous installer une autre caméra plus proche. Vraiment très proche de ce que je fais là. Je sais pas ce que vous en pensez mais euh... moi ça me frustre de pas pouvoir vous montrer des gros plans là. Quand on fait des petites pièces. Ok. Attends, il faut la fixer celle-là ou. Non. J'adore les gros plans, ah bah je le savais, bande de coquins. Combien de pièces 632 je crois. En tout cas 630 et quelques. Donc c'est moins long que le Grivous. Mais c'est quand même une belle bête, tu vois. Ça, ça vient se fixer. Ah bah ben là. Yes. T'as fait Gribou sans Lego, ouais. Euh, oui, oui, il est... Bah ben là, je peux pas te l'attraper, mais il est derrière, ouais. Il est derrière, ouais. Alors, une pièce comme ça, huit comme ça. Une, deux, trois, quatre, cinq... 6 7 8 Non non, c'est un Lego chinois mais c'est la... dites-vous, c'est la même chose. C'est strictement la même chose, les pièces sont de la même qualité, les c'est tout pareil, la seule différence c'est la taille du plan. Le plan est imprimé plus petit. Donc il faut se concentrer quoi pour le lire. Et surtout ça coûte euh, 50 à 90 moins cher, hein. surtout ça que faut pas oublier. Et il manque pas de pièces. Après, dans les Lego, il manque pas de pièces non plus. Hein. C'est chelou qui t'en manque, Rémi. Hein. Je te dis, moi, je n'ai jamais eu de pièces manquantes dans des Lego, Chinois ou pas chinois. Hein. Donc, je, je sais pas ce que t'as fait. T'as as forcément dû en faire tomber une par terre. Je rappelle que le Faucon Millennium, euh, je le chope à 125 euros au lieu de 850. Hein. Alors, attendez, là c'est comment C'est comme ça. On vient coller ça, mais en décalé de 1. Ah non, bah, c'est pas celle-là, alors c'est la plus longue. Oh, Lego, c'est très 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 cher. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette musique encore là hein Ouais, euh, non, la qualité c'est la même. Hein. Encore une fois, euh, aucune différence. Gundam, pas super cher. Ah ouais, mais Gundam, moi ça m'a jamais intéressé. C'est des Lego de quel site de Temu Le site chinois Temu. Après, attention, si vous commandez sur Temu, n'oubliez pas qu'il ne faut pas passer par l'application parce qu'il y a beaucoup de fuites de données. Comme quasiment tous les trucs chinois d'ailleurs. Et faut payer avec Paypal. Hein. Allez, pas pay... Allez pas rentrer vos informations bancaires personnelles sur un site chinois comme ça. Hein. Ça s'écrit T-E-M-U. Hein. En 39 ans, ça m'est arrivé qu'une fois qu'il manque une pièce chez Lego. Oui, mais là ça fait deux fois de suite qu'il lui en manque, Arémi, je pense que il l'a fait tomber. Hein. Parce que vraiment, ça n'arrive jamais, hein, des pièces manquantes chez Lego. Euh... Ou alors c'est vraiment extrêmement rare, surtout qu'ils en mettent en double maintenant. Souvent, des petites pièces minuscules, ils les mettent en double. Si j'ai compris, il faut utiliser le site internet et payer en PayPal. Exactement T'as tout compris. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, quoi. Après, Rémi sans famille, Rémi sans pièces. Alors là c'est un travail minutieux. Voilà c'est fait. C'est bon. Quatre fois, j'ai pas fait tomber de pièces. Ouais, ça me paraît chelou. Salut Hawking. Comment vas-tu eh. Au pire, tu les contactes, hein. Tu sais, je pense que c'est une ils sont très à cheval sur leur service client. Ouais, ça va super. Alors, Hubert, on a des soucis avec les Chinois. <laughs> ok. Alors ensuite il faut ça, 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 et bah tout ce qui reste dans le bol, et bah pour une fois on a fini le bol là. Wasabi Salut 327 Comment vas-tu Oula, attends, alors là pareil, il y a un problème d'assemblage, je ne comprends pas. Ça, ça va là. Ça va. Ok, allez, changer de changement de sachet. Il reste plus que trois sachets et re ouais, 327, pardon. Il manque une pièce, il suffit de leur demander. Ils envoient dans les huit jours. Ouais, ouais, je pense qu'ils sont ils sont là-dessus. Hein. Après, euh, Rémi fait des LEGO très souvent, donc il a peut-être du stock de pièces vu qu'il en reste généralement en double. J'ai fait tomber un bout de plastique. J'ai vu qu'apparemment vous veniez, enfin je sais pas pour toi 327, mais euh, que la roquine allait venir pour la rencontre abonnée. Ah merde. Ouais j'ai bien avancé, c'est quasi fini. Hein. Ah par contre là je fais de la merde. Attends. Il est parti le troll oh, Il est a encore deux secondes alors je sais pas. Voilà, la portière. Bon, ça je pense que j'y toucherai pas, hein. ça m'a l'air sensible. Moi non, agoraphobie, trop de monde pour moi. Ok, pas de souci. 2, 3... C'est David Kiddon, On lui a pas proposé là. Hein, s'il venait, là. Il, y a, il, y a, il y a Cyber et un Forreal. Je sais pas s'il veut venir. De, de, tac, tac, tac. Ok, j'ai tout. faut dire trois fois son pseudo pour qu'il apparaisse. Attends, j'essaye. Kemizu, kemizu, kemizu Voilà. <laughs> ah merde, ça marche bien.

Ce fut bref mais intense quand même hein. Allez maintenant on peut le banner les parti <laughs> Ah merde Ok donc ça c'est le c'est genre le coffre Allez une prochaine ouais On s'appelle on se fait une bouffe Non ah bah super j allez c'est ban allez ça dégage <laughs> cette Timothée. Mais qu'on lui propose de hospitalité d'un repas, il, il dit non. Il dit non. <titrage> Okay. Invité par le capitaine, et ça refuse, c'est éliminatoire. Ah non, mais c'est hallucinant. Les choses ont mal commencé, se sont ravivochées et ont mal fini. C'est quand même triste. Attendez, est-ce que ça marche encore Kemizu, Kemizu, Kemizu Ah Non, il est plus là. Du drama. Ça fait un an que je suis ici, j'ai filé de la thune et j'ai à peine un bonjour. Quoi Pardon Je t'ai pas dit bonjour, Blazar Non, je déconne. Ah ouais, tu m'as fait peur. Hein. <laughs> tu m'as fait peur, putain. Je vais détruire ta base sur le serveur Minecraft avec de la TNT. <laughs> Attends, t'es sur le serveur Minecraft Je sais plus. Troisième degré. Non, il fait plus chaud que ça quand même. Hein. Oui, je vous rappelle hein, les gens, euh, si vous êtes abonnés à la chaîne, il y a des places sur, euh, sur le serveur Minecraft. Pour tous les gens qui sont abonnés. Putain, je n'arrive pas à trouver... Ah non. Bah merde Voilà, je l'ai. Hop, on retourne. C'est là que je casse tout comme tout à l'heure. Putain! Pour venir casser des gros cubes. Voilà. J'ai peur qu'ils soient encore là. La merde. Et on va vivre dans la terreur. La terreur des trolls. C'est Ella Gerald. Oui, c'est Ella Gerald. Whisper that I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Si on m'offre un PC, je fais la sponsor et Minecraft, Ah merde. Après, pour 16 euros, ça va me coûter cher si je t'envoie un PC. Hein. Pour le savoir, Minecraft, ça marche pour la console, non malheureusement, c'est uniquement PC. Moi j'ai le PC mais j'ai pas le jeu. Il est dans le Game Pass hein, si jamais. Je crois que Gwambu là dans le Game Pass. Il me sent... ou je sais plus ou alors j'ai rien compris mais. Oui mais le Game Pass est pas sur le compte de 327. Ah et sur le compte de 300 Ah oui ok oui j'ai compris. Vous pas compris mais j'ai compris après bon le game pass au bout de deux trois mois moi je enfin j'ai je... jamais pris le game pass que je trouve c'est un peu la baise au final tu tu payes des centaines d'euros euh... pour des jeux que tu possèdes jamais après je comprends, hein. sur le moment vous prenez un mois ou deux c'est pas cher mais euh, je supporte pas l'idée de, de, de payer comme ça pour pas avoir un jeu au final. Je sais pas j'ai l'impression de me faire avoir. sauf que ça coûte cher, c'est 9€ par mois maintenant le Game Pass là. Je sais littéralement, euh, j'ai li littéralement jamais joué à Minecraft, alors bon. C'est particulier, hein. je sais que ça peut rebuter esthétiquement la première fois. Ouais, 9,99€, 9, ah oui. Ah ouais, non, ça fait cher. Hein. 16€ Ultimate, c'est quoi, quoi 16 Ultimate C'est un Game Pass plus gros Ouais, 10€ quoi. Ah, je trouve que c'est trop cher. Hein. Je le partage sur console avec la Rockin et, et mes soeurs. Ah, je ne pas qu'on peut partager ça. Bon, tant mieux. Hein. Après, j'avoue que moi, je suis... depuis que je vis de Twitch, c'est super cool parce que je reçois, des... Je reçois régulièrement euh, des, euh, des jeux offerts par les studios et tout. Bah là, je vous avais dit, hein, en euh, février, juste après Paris, il y aura une sponso pour un jeu qui a l'air super cool. D'ailleurs je sais pas si tu as vu, euh, je sais pas s'il est encore là, Zadmi. Je sais pas s'il a entendu parler de ce jeu, mais il a l'air vachement chouette. Zadmi, Zadmi, Zadmi. Est-ce que ça marche comme... Euh... Bon, on se rapproche de la fin de notre montage. Hein. Ça marche qu'avec les trolls, hein, ça c'est con. Hein. Rick Deringer, ok. On arrive à la fin du montage. T'inquiète, moi je perds celui d'aller voler des poulets à mes voisins. Venez nous rejoindre. Et hier, j'ai miné pas longtemps, je me suis fait genre 30 diamants. J'étais en mode ah oui et tout de suite, ça y est, les gens ont crié au scandale en mode. Oui, mais il est venu en créer à la veille. Il a mis lui-même des, dra des dragons, il a mis lui-même des diamants dans la grotte. Euh... On le connaît, le capitaine, on le connaît. Évidemment, je les ai bannis. Hein. Je sais qu'en étant qu'un euh, joueur Xbox, je m'y retrouve avec le Game Pass parce que ça me permet de tester plein de jeux tous les mois sans devoir les installer. Ah, disons que oui, c'est la différence avec le PC. Où tu peux craquer des jeux, ou tu peux, euh... t'as plein de solutions quoi pour jouer à des jeux gratuitement euh... en toute illégalité bien sûr. Mais non, mais putain, j'ai le pare-choc. Ok, c'est bon. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Allez, allez 8 Ouais, on est... On, on, écoute, on, il reste 2... Enfin, un sachet et un minuscule. Me dit quelque chose cette musique-là, James Taylor. Il oh, y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est quoi ah, C'est celle-là, qui est dans les, les Galaxies de la Galaxie, si je dis pas de bêtises. Oh bah Ignacio, tiens, en parlant de trolls, super, un jour génial, c'est la journée des trolls. Les journées des drôles pas drôles. Incroyable. Take you up or down. Il manque plus que Marloc et jus d'ananas. Pretty blue lights along the way, help you ride on by. Shine away the heavenly grace. you ride right on by Merci. and step it on by on that is the Okay? Les meilleurs, c'est faux. <laughs> Salut, Nano. Comment vas-tu ah, Putain, ça tient à rien, ça. fine. Hein. Ah, mais c'est ça que je peux mettre. Je peux mettre la BO des gardes de la galaxie après, là. Attends, il manque un truc, là. Qu'est-ce que j'ai mal fait Get it where I found it isn't on by on LSD. Ah oui non, attends j'ai oublié un truc. Non bah non. Un peu enrhumé depuis hier mais ça a l'air de doucement s'améliorer. Toi ça avance bien le nouveau look du capitaine, le nouveau look de la capitainerie. Euh, j'ai surtout bah, le générique hein, euh, c'est ça qui va me prendre le plus de temps. Ah mais c'est parce que je le mets au mauvais endroit, je crois... Bah ben non. Attends. Il y a un truc que je... Ah J'ai compris Attendez, ma pince pour enlever les pièces, elle est où Merde Merde Elle est où la pince Lego pour enlever les pièces là Sinon, je prends la pince à épiler. Il y a deux pièces que j'ai mises trop basses. Voilà, elle. Et elle. Qu'est-ce qui s'est passé RG a réclamé des royalties. Bon. RG, non, RG, lui, il est, il est mort, hein, mais euh, est... ses ayants droit m'ont contacté suite à la dénonciation de quelqu'un. Voilà, c'est bon. Ah bah, ça risque... ça risque de tenir forcément mieux, là. Sauf si je fais de tomber des fauteuils. Il y a, si tu veux avoir tout le contexte et toute l'explication du truc, euh, Nano, sur le Discord, t'as une... Enfin euh, même... Euh, non pardon, euh, Nicolas, t'as as un topic dans Annonce qui explique tout en détail de ce qui s'est passé. Attendez, je vais mettre la musique des gains de la galaxie. Volume 1 et 2. Let's go. Tout en haut du Discord, tu... Enfin tout en haut, presque tout en haut, tu verras, il y a une explication. What you do to me. Oh putain. Everything's alright. Ah, hooked on a feeling. And I am believing that you're in love with me. c'est une pièce a double, j'imagine. Ah, Brandy, elle est géniale, ouais. J'avoue. Voir? If I can for sure, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah, Walk down the field. Salut, c'est Idolfox. Fox. T'as vu que le premier Bah, c'est le meilleur. Hein. Dis-toi que t'as vu le meilleur. Le 2 est moins bien. Le, le 3 est moins bien aussi. Hein. Je ne saurais pas dire entre le 2 et le 3 lequel est le mieux. Je pense que le 2 est peut-être un peu mieux. Je... Disons que le 3, c'est compliqué de le... Je suis pas d'accord, le 3 c'est le mieux Oh je suis pas d'accord du tout. En plus le 3 c'est typiquement le genre de film que tu peux pas voir si t'as pas vu le. si t'as pas vu le 1. Si t'as pas vu même euh, Infinity War et Endgame. Après chacun ses goûts, hein, mais objectivement parlant, euh, non. La réalisation est beaucoup mieux dans le 1. Euh. Les personnages sont mieux caractérisés. Euh. Même la BO est mieux. Après, ça reste une bonne trilogie dans l'ensemble comparé à ce que Marvel a fait euh, en dehors. Hein, c'est pas comme Iron Man, tu vois, où Iron Man le premier est génial et les autres sont quand même de pire en pire, quoi. Euh... Ça, je mets ça là. Oui, c'est bon. Et bonjour euh, Dave Punk, pardon. Mais encore une fois, oui, oui, chacun est libre d'aimer, euh, de préférer un truc, hein, mais. Ok, la deuxième portière est fixée. Salut Benito! Comment vas-tu? Voilà, attends, alors ça, c'est pas dans les gains de la galaxie 1 ou 2. Est-ce que je suis en aléatoire? Ah, mais attends, 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 vider la file d'attente. C'est mieux. Attendez, je me permets parce que c'est une de mes préférées. Quelqu'un en a parlé dans le chat. Voilà. Oh là là. Alors, ça, c'est Banger. Ça, c'est Banger. Ça va très bien, merci. There's a pond and the western bay, and it serves as I'm just chips a day among the sailors. Pass the time away. Ah, le 3 je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. J'ai ouais, J'étais pas déçu mais euh... Pff, ça reste dans la veine de... des productions de Marvel quoi. Ils ont de l'or entre les mains et ils font de la merde je trouve. Sail is from the hein. sea. Ah putain, alors là, la fin c'est un plaisir, c'est juste des petites pièces. Les autres sont aussi bien que la saison 2 de Loki. Oh putain, tellement décevant la saison 2 de Loki. Tellement décevante, alors que la saison 1 était, était pas mal. Je dirais pas que c'était un chef dœuvre mais... C'était pas mal. T'as fait pleurer les grains de la Galaxy 3 Oh j'ai trouvé ça très niais le truc avec les animaux là. Il y a des scènes qui m'ont mis du cringe le genre quand t'as les animaux qui jouent ensemble dans la cage et j'étais en mode... And okay. the bars closed down. Brandy walked to a sad in town was not around. She has mc Brandy, you're a fine girl. Why if you would be T'inquiète, j'ai rien spoil Ghost, ça peut te rassurer. Good wife, you would be my lady. Is the sea. C'est bizarre ces pièces là. J'imagine que c'est les vitres. Oh pardon, je, depuis tout à l'heure je monte ça hors caméra, personne ne me dit rien. Attends. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah, Wanka, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'ils l'ont regardé sur Discord. Euh. Ouais, je sais. Mais attends, mais j'ai fait n'importe quoi, là. Oui, c'est ça, voilà, ok. Voilà, là, j'en ai un. Et là j'en ai un autre, voilà, c'est mieux. Je comprenais pas. Bonjour tout le monde Et Mister Mouche, bien le bonjour Ça souhaite le gros. Ou rebonjour, je sais plus, on s'est pas déjà vu tout à l'heure Mister Mouche Il me semblait. Un film de super-héros marrant, de ce que je me rappelle, c'est Mystery Man. Ah, Mystery Man. je l'ai regardé un nombre incalculable de fois, avec le mec qui pète sur les gens, là, à distance. Bonjour de... tout le monde Forcément, ça me faisait rire. Ah, Monsieur Souris. Oui, on s'est déjà vu Monsieur Souris, ça c'est sûr. On me la fait pas, moi. Avec Ben Stiller. J'avais pas vu le nombre de points de chaîne... Litre de jus d'orange, carrément. Je pensais que tu mettrais verre de jus d'orange. Non, non, c'est des, des litres. Euh, des litres de jus d'orange. C'est vrai que j'aurais pu mettre verre, mais c'était long. Litre de jus. Verre de jus. Ouah, c'est pareil, tu me diras. À une euh, ouais, ouais. Je regarde pas un souvenir dingue, mais. Euh... Alors. Comment ça se monte Ah, je vois comment ça se met. Voilà, ça ça m'a l'air un peu approximatif comme montage chalant. Ok, bon, ça a l'air chelou, mais mettons. Ah, Galaxy, j'adore Galaxy Quest. Je trouve que Galaxy Quest est une très bonne comédie. Euh. Ben, je vous la montrerai bien en live, mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense qu'il faut qu'on se calme un peu sur les, les grosses projections. Euh... Je l'ai parce que vu que il y a des gens qui rôdent, il <laughs> y a des gens qui rôdent. Cette souris est grise et dit n'importe quoi. <laughs> ça y est, il a retenu que ça. C'est le pare-choc arrière. Tu l'as vu la semaine dernière Tu l'avais jamais vu avant ou euh... Et alors t'as bien aimé Je vous le montrerai bien en live. <laughs> Et salut mon petit PC <laughs> Et le capitaine qui dit des horreurs sans s'en rendre compte. Hein. C'est ça le plus beau. Et merci Chuan pour le follow. Bienvenue. Bienvenue dans la capitainerie. Et mine de rien, on est quasiment à 4006. Hein. Bientôt à 4006. Bientôt les 5000. Hein. Pour les 5000, je vous le conseille bien sûr. Allô Est-ce que t'aimes bien Ghostbusters euh... Mon petit PC Oh, ça commence à prendre forme. Hein. Mon sextant, oui, mon sextant, oui, non, bien sûr. Ah là on est sur le toit. Oula, le toit il est il est complexe. Bien évidemment. Incroyable! C'est quoi ce Timote? <laughs> Elle est trop bien! Ah, c'est Martin Martin! Tiens, il stream plus beaucoup Martin Martin, non? Par contre, avec Martin Martin. Ah, David Bowie. Aussi, mais le matin, ah merde. <laughs> Moi, je dors le matin. Galaxy Quest, c'est sur Netflix Bon, ça, ça m'a jamais empêché de diffuser un film qui est sur Netflix, mais... Je regarde surtout, allez, quand je diffuse des films, je vais regarder surtout sur le catalogue Amazon moi. Non, je fais n'importe quoi, ça ne va pas là, ça. Ça non plus. Ah, c'est surtout parce que j'ai pas pris la bonne pièce. Attends, quoi 2, 4, 6, bah si. Attends, y a, y a, attends, oui, c'est bon. Je suis en train de bugger là. Ok. Ballade wheel j'ai beau être maxinal, alors je marre là. Est-ce que ton sextant est sur Netflix Bah ben non, non, c'est interdit au moins de 18 ans, alors non, bien sûr. Alors 16, c'est des bleus, c'est des bleus. 2, 4, 5. Oula, 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super. Euh, ok. Donc là, c'est les, les gyrophares de la bagnole. Alors là, c'est chiant parce qu'il faut bien les aligner. 98. About the big girls, if I'm alone. About the big girls, sir. Ouais, c'est la bio des gardiens, ouais. Ah, mais non, c'est deux. D'ailleurs je l'ai envie d'il La BO du premier Oh, J'adore la BO des gars de la galaxie franchement c'est Surtout le premier hein, c'est Quel homme de goût. Ah, j'adore, j'adore, franchement. Quand j'avais été le voir au cinéma, déjà au début, t'as le vaisseau là qui part dans l'espace et t'as du David Bowie, là j'étais en mode ah oui. Ok, on va bien s'entendre le film. Fool around and fell in love. Around and fell in love In love. En fait, la, la BO fait vraiment partie du, de la qualité du film euh, en elle-même. quoi. Je me souviens encore, j'avais vu il y a 10 ans à Seattle euh, en vrac que, que de bons souvenirs. Hein. Ah non, mais ouais, clairement, le premier. Euh... Une odin grise. Et je pense que ma compagne qui est pas très SF, je pense qu'elle pourrait l'apprécier. Faudrait que je, faudrait que je lui montre. Je crois que je l'ai en DVD en plus. Ah quoi que, j'ai peut-être revendu mes DVD. Euh... Bien aimé aussi heureuse de retrouver Kurt Russell, euh, mon acteur fétiche dans le 2. Oui après le 2 il est. C'est con parce que euh, La Planète Ego, euh, moi qui suis un fan des comics Marvel, euh, c'est génial, hein, mais euh, malheureusement ils l'ont un peu mal. Euh... C'est plus Space Opera, ouais. Je sais pas, je trouve qu'ils l'ont un peu. Euh... Un peu mal euh, maltraité. Enfin pas, ma pas maltraité, mais maltraité en deux mots. Si vous suivez. That's the way I used to be. Since I met you, baby, love got a hold on me from you, baby. In love. Oui oui euh ah. I fool around Yes I deal Hop de pas perdre une pièce Allez ça faut le faire deux fois Ah bah science fiction c'est large bien sûr c'est large Comme ma bite Pardon allô Oui qu'est-ce que j'ai rien dit, hein. vous avez, vous avez entendu? Moi, j'ai rien dit. Tintin, voilà. J'ai dit Tintin. Il a dit Tintin. Allo, allo, monsieur l'ordinateur. Ah putain! Oh, le retour de bâton dans ma gueule. Ah, putain de You have failed for the last. Time. Oui, bah, c'est de la science-fiction Jurassic Park, mais c'est juste que... Voilà, il faut... Tu, on peut préciser le genre précis, mais c'est de la science-fiction, ouais. Mais science-fiction, comme tu dis, ça englobe beaucoup de choses. Non, moi, c'est pas bâton, c'est dangster. <laughs> le retour de dangster. Tu peux m'appeler les bâton si tu veux. Salut Yukira. Donc, Terminator. Ok. Super. Ah, 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 ah. Ah non, je croyais que j'allais ouvrir le dernier sachet, mais not yet. On se calme. Du coup, idiocratie, c'est de la SF ou un docu oh, J'ai du mal avec idiocratie. Hein oh là là. Je vous le dis à chaque fois, mais... Euh... J'ai toujours eu du mal avec ce film. C'est pas euh, un des frères euh, Owen dedans Je sais plus. Euh, dernier sachet. Hop là. Allez hop, ça c'est des pièces en double. La différence c'est qu'on n'a pas les personnages dans ce kit aussi. Hein. Mais bon la différence de prix, c'est pas ça qui justifie le prix des personnages. Oui, c'est Luke Wilson, c'est ça. Qui est un très bon acteur, hein, d'ailleurs. Il joue très, très bien dans la famille Tannenbaum de. Euh, de Wes Anderson. J'adore Wes Anderson, d'ailleurs. C'est le dernier sachet. Hein. On est vraiment littéralement sur la fin. Littéralement un film situation complètement prémonitoire. Ouais, mais je sais pas, je. J'adhère pas. Je trouve ça très vulgaire. Après, je comprends que ce soit révélateur sur pas mal de trucs, mais. Tous les Wes Anderson Presque. Pas tous, mais presque. Par exemple, il n'est pas dans. Euh, je pense qu'il n'est pas dans Grand Budapest Hotel. Je pense que euh, il est pas dans. Euh, Darjeeling Limited Sea. Il n'est pas dans... Putain, le tout premier avec Bill Murray. Enfin le tout premier, celui qui a fait découvrir Jason Schwartzman. Avec le gamin là. Euh, dans le lycée. Ah putain, j'ai plus, le... plus le nom. Quelqu'un va me le retrouver dans le chat, je pense. Le premier grand rôle de Jason Schwartzman à l'écran avec Bill Murray. Well. Rochemort, me. merci. Très bon film, Rochemort. Où c'est un, un élève qui tombe amoureux de sa prof en même temps qu'un autre, euh, qu'un qu prof de l'école. Et du coup, il y a une espèce de querelle amoureuse, un espèce de triangle amoureux chelou entre l'élève, la prof et le collègue de la prof. C'est très bizarre, mais c'est très marrant. Bref, faut aimer Wes Anderson. Je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, mais euh, moi, j'adore. Hein. Par exemple, le Grand Budapest Hotel, euh, la famille euh, c'est je trouve c'est des classiques. Euh... Je crois c'est un qui est et pas grand fan de de la mise en scène de Wes Anderson. J'irai voir, il est sur Disney Plus ouais, bah, allez-y. Hein. Grand Budapest Hotel est cool, hein. c'est ça fourmi d'idées. Euh... Après il y a le dernier que j'ai pas vu, euh, Asteroid City, oh, c'est ça Je l'ai pas vu du tout. Il est sorti il y a pas très longtemps avec le même casting gold Deck d'habitude, hein. Bill Murray, euh, euh, Scarlett Johansson. Euh... Il est bien, ouais Asteroid City. L'île chien était super. Si vous aviez aimé Fantastic Mr. Fox. Euh, L'île aux chiens est très sympa C'est encore un film d'animation euh, euh, En stop motion Enfin vraiment c'est pas de l'animation numérique Donc, euh... A French Dispatch eh ben, pareil je l'ai pas vu J'aime beaucoup les, les idées Les images d'Anderson mais j'ai horreur de la façon Dont ils dirigent les acteurs et ils jouent tous sur le même ton monocorde Et eh ben, Alors je peux comprendre mais je trouve qu'ils jouent De manière naturelle Ils jouent des gens blasés et en fait je trouve que ça fonctionne euh... Je trouve que ça fonctionne très bien quoi Mais oui, effectivement, French Dispatch, je l'ai pas vu non plus avec Timothée Chalamet. Timothée Chalamet qui qu'on revoit aussi du coup dans eh ben dans dans Asteroid City. <s 'étonnue> <meme> <tousse> Et dans Wanka, bon, ça... Euh, voilà. Et dans Dune surtout. Surtout dans Dune. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Dune, et il y a aussi plein de gens qui ont adoré Dune. Moi, je fais partie des gens qui ont adoré Dune. Je trouve que ça fait du bien d'avoir euh, enfin une bonne adaptation. Scott Pilgrim, ah, c'est vieux ça, c'est sympa, mais c'est vieux. Ouais, c'est ça, je te banne, Dancetter. Tu l'as même pas vu en plus. <laughs> Non, tu l'as vu ou tu l'as pas vu Je m'en rappelle plus. Non, faut que tu le regardes, hein, vraiment. Si tu l'as pas vu, regarde-le parce que c'est une dinguerie de science-fiction. Perso, j'ai adoré Interstellar et j'ai euh, détesté Oppenheimer. Ah, Oppenheimer, on n'en a pas aimé. Hein. On l'a regardé sur le Discord. Euh, on s'est fait chier, mais au possible. Back in your heart. J'ai vraiment pas aimé le Dune des années 80, mais je suis tellement un fanboy de Villeneuve, donc je, je pouvais que aimer. Alors Villeneuve, hein, si vous connaissez pas sa filmo, allez voir Incendie, par exemple. Hein. Pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps en stream, mais franchement, faut y aller. Hein. Incendie de Villeneuve, là où, par exemple, le remake... Enfin, le remake, la, la suite de Blade Runner, c'est une honte. Ça, vous pouvez vous épargner le, le, le massacre. Vu, mais j'ai vraiment du mal avec les bandes annonces et extraits. Ouais, mais faut pas, se, faut pas se fier juste à ça de le hein, quand même. Hein. Après, si t'es pas un fan de science-fiction, bon, ça peut ne pas t'intéresser. Hein. Mais moi qui suis un fan des bouquins de Dune, euh, je peux te dire que l'adaptation elle est, elle est goldée, hein, franchement. Prisoners. Ah, Prisoners c'est très sympa. Premier contact. Premier contact, euh, ouais, c'est sympa, mais ça m'a pas plus marqué que ça. C'est pas celui que je retiens le plus. Ah merde, c'était le transparent ici, attends. Ouais, moi je pense que mon préféré de Villeneuve, c'est. Euh, en, en production plus modeste, c'est incendie, en grosse prod, c'est euh, dune. Merde Attendez, j'ai une pièce coincée, là c'est un peu chiant à retirer. Ah putain, alors ça c'est chiant. Vous voyez, je, je sais pas si vous voyez, j'ai la petite pièce Bordeaux coincée là-dedans. Je sais pas comment faire pour l'enlever. Je vais y aller avec les dents. C'est bon. Oula, c'est une version moldave. Et du coup je me suis trompé pareil c'est pas une pièce blanche C'est bon C'est la transparente Puisque c'est les giro C'est bon En vrai j'ai du mal à cause d'une raison vraiment nulle C'est les accents québécois Je sais pas pourquoi ça me sortait du film Attends tu parles de quel film De incendie ah ça m'a pas du tout gêné hein. Alors moi quand un film est bon peu importe les accents des acteurs c'est vrai que bon quand je fais quelque chose je regarde souvent des films en VF mais euh, quand je suis à fond dans le film euh, vaut mieux le regarder en VO et là pour le coup euh... il faut avoir des bonnes dents hein, pour croquer les Lego hein. peut-être pour ça que Rémi il a plus de pièces là il les a bouffées là Moldive. Oh là, c'est la fin, c'est la fin, on arrive à la fin, ça y est. Un coup de pince, j'ai ça, tu vois, j'ai ma pince à épiler, mais... Je pense que malheureusement, c'est un peu... un peu fin. Pour une... Pour juste les petites pièces rondes là. Oh, ça ressemble à quelque chose, hein. Euh... Alors l'échelle. Salut c'est cringe, il le tous les Lego. Voilà c'est ça. <laughs> Est-ce que c'est la dent dure, Rémi Dis-nous tout. Nous tout. Ok. Ah pas la dent, mais d'accord. Ah merde. Bah c'était pour ça. Ouais. Il s'est cassé toutes les dents sur les Lego. Putain de parabole. Ok. Et la parabole, la parabole, elle se fixe où sur l'échelle Chelou. Sauf que je l'ai mis dans le mauvais sens. Évidemment. C'est quoi cette version de la musique là Quand on n'a plus dedans, on finit sur TikTok. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Attends, je l'ai mise à l'endroit Je crois oui. Bon bah les amis. On est arrivé à bout de cette voiture de Ghostbusters. Il n'y a plus que les euh, l'antenne à fixer. Ah oui, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Voilà l'antenne. Et j'imagine qu'il y a les autocollants. Ouais, ça ça va être chiant. Ça va la plupart c'est des taches de boue. Ah, attendez. Ah merde putain il y a une pièce qui est tombée. <laughs> Attendez, je fixe les. Si t'as raison, j'ai mis le toit à l'envers. T'as raison 327. C'est pour ça que je me disais, bah attends, c'est bizarre sur le plan, je vois plus l'échelle. Hein mais le doute t'habite à juste titre. Ouais hein. ah ouais. Même si cette phrase est très bizarre. Okay. Deuxième fois qu'on entend aujourd'hui celle-là. Détails révélés par ceux qui voient le moins. Je dis ça, je dis rien, c'est vrai. As la plaque. Ils auraient pu nous faire fixer les autocollants de la plaque signalétique avant que tout assembler, Ça n'a pas de sens. Comme les vrais Lego. Les vrais Lego, on met les autocollants au fur et à mesure. On est presque là. Là, c'est des taches de boue ou de rouille. Je ne sais pas si c'est de la boue ou de la rouille. Alors, on y est presque. Ok. Ensuite. 14. Il est où Putain, attendez. Alors, ça me dit le 14, je le. Ah, c'est celui celui-là. Est-ce qu'il est écrit Hectorin Non <laughs> Non, il n'est pas écrit Hectorin. Il écrit MK10-021. Ah non, mais tu verrais la gueule du fantôme en plus, c'est vraiment un fantôme chelou. Ça se voit que c'est pas un truc. Euh... Ils ont essayé, tu vois, de, de. Moi je dis de toute façon, avec autant de plagiat, autant y aller. Hein, là. Parce que là, c'est clairement celle de Ghostbusters. Je veux dire, tu, la... tu, tu fermes les yeux, tu la regardes de près, de loin, tu vois que c'est Ghostbusters. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il me reste comme autocollant là à mettre Ah oui. Et gros. Hop, celui de l'autre côté. C'est un petit. C'est minutieux les autocollants. Bon, juste après, on va faire le tirage au sort, les amis. Hein. Oubliez pas... Attends, je baisse le son de la musique. Point d'exclamation KDO dans le chat pour vous inscrire au tirage au sort, comme d'habitude. Il faut être abonné à la chaîne, il faut avoir été présent pendant au moins une heure et demie aujourd'hui, mais c'est un stream de 7 heures, donc normalement, si vous avez été là un petit peu, c'est bon. Il faut être au moins niveau 10 avec le bot. il faut être présent bah, au moment du tirage au sort. Hein. Si je tire votre nom et que vous n'êtes pas dans le chat, ça ira à quelqu'un d'autre, évidemment. Alors le... Euh, Celui-là, oui. Allez, il me reste plus que deux autocollants et on est bon. On va se la son cadeau. Hop, le dernier autocollant. Put it together, get it out Super. C'était la dernière page, c'était la dernière page, oui! Ça y est, c'est fini! Et ben voilà! Elle est cool, hein! Franchement, pour, euh, pour euh, 12 balles, euh... <laughs> c'est bien! Elle est ultra. On, on... Bon, forcément, la gueule du front... <laughs> Attendez, je montre à madame, tu vois à quoi il ressemble le logo de SOS <laughs> Bon, là, c'est une version moldave, quoi! En même temps, c'est chinois! Non elle est cool hein, elle est très très cool, très sympa. C'est léger en plus, ça fera très très joli dans mon décor quand j'en aurai un. Là je vais essayer de la mettre dans une boîte. Et il y a des pièces articulées, oui il y a l'arrière qui est articulé, il y a les portières. Ah merde. <laughs> Attendez. Je me suis, j'ai été gêné par le par... Voilà c'est bon. On va laisser les portières fermées. Dans le doute. <laughs> J'ai été gêné par le, le... Voilà. Non, non, elle est cool.